nyonso ya ipupa bafani ya golwa bagolwa bawe ya fere gola bafani ya héritier ba journaliste baza na sima ya Gautier pose la vérité sangwa ko sarate mbodi robimaka parce que comme ça les alikama mais nazala Paris na bobimisa ba mbodi tout na bombe lote ko sangonda yebi li solo place bandage bandage na bosolo na politique ngape kande na kosili sali solo na na vivendi na ke snap tout ce qui s'appelle sur la snap tout quand ça nous sera qui tagin chasa dans 6 jours moto et pelato pe sali solo tout rétablir la vérité quoi to lingu bala samai pour ce magali kolo au solo yo sangwa zaka sangwa ganga na ndabu sangwa. Bonjour la famille. Gautier Seyi accepte et force les clous dans la plaie à disant qu'il a des gens, des preuves, des snaps. Il va continuer jusqu'à la fin. Il a des preuves qu'il ne veut pas donner aux gens puisqu'il a déjà un rendez-vous au tribunal de paix. Il veut vraiment affronter Fally face à face. Concernant ses propos, il dit qu'il ne veut pas retirer ses propos et il va continuer ainsi. Il a tous les dossiers à main. Maintenant, vous qui parlez juste pour faire plaisir à Fally Ipupa, vous voyez ce que vous aviez commis comme une grosse erreur. Vous aviez commis, vous avez mené Fally à commettre un péché qui va salir sa personne. Mes chers amis, avant que j'affonce dans la vidéo ici, permettez-moi de vous demander de partager la vidéo, de commenter, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. Nous continuons à voir, à vivre les épisodes de l'affrontement de Fally Ipupa, notre artiste et musicien, et de l'autre côté, les journalistes. Le fiancé du moment, Gautier Seyi, l'homme qui a accepté d'affronter là où on n'affronte pas, l'homme qui a accepté de quitter sa zone de confort pour voir la vérité ailleurs. Aujourd'hui, il nous a signalé dans une vidéo, il nous a dit qu'il a des preuves à l'appui, les preuves qui appuient ses propos. Dans beaucoup d'émissions, il est passé. Donc, Fally Ipupa, vous devrez avoir des motifs solides pour clouer les messieurs ici. Nous savons que moi, personnellement, je sais que Fally et le goût et la politique, soit la justice congolaise, ce sont des amis, ce sont des frères. Ce sont tous des menteurs, tous des influenceurs, tous des corrompus. Fally, c'est un homme corrompu. La justice aussi, elle est corrompue, la justice congolaise. Je ne vois pas une justice, soit une justice qui pourra porter Fally plainte, qui pourra mettre Fally à prison pour ses propos mensongers. Je ne les vois pas. Il n'y a aucun avocat, aucun juge au Congo qui est capable de dire à Fally Ipupa qu'il a menti les gens. Il n'y a personne. Mais moi, je pense que Gautier Seyi maintenant, au moment où il est, comme il est devenu le financier le plus connu, le plus influent du moment, le plus populaire, s'il portait Fally plainte maintenant au niveau de la France, c'est là où tout pourra basculer, puisque toute la France entière, avec les mélomanes qui veulent la droitir, ils vont voir que Fally a trompé toute une opinion. Toute une jeunesse, c'est là où Fally aura des problèmes. Mais tant que ça sera au Congo, vous savez bien que les Congolais, quand il s'agit de l'argent, ils peuvent tout à cause de l'argent. Les Congolais peuvent tuer leurs propres frères à cause de l'argent. Aujourd'hui, on est en train de voir le scénario de Fally Ipupa et Gautier Seyi. Gautier qui a raison, il nous a amené les preuves de se dire, il nous a dit que Fally mentait. Moi, j'avais dit cela il y a plus de 2 ans. Je l'ai dit toujours que Fally, il ment beaucoup.
Si ce n'est pas lui qui ment, c'est son entourage qui nous envoie toujours des mensonges concernant ses capacités artistiques. Pendant que tout le monde sait que Faline est moins performant, les concerts publics, Fali, il n'est pas performant, il n'est pas bon. Fali, il n'est pas capable de reproduire ce qu'il a produit dans les studios. Tout le monde le sait. Je dis que Fali n'a jamais été numéro 1. Tout le monde le sait. J'ai donné des preuves. Mais le monsieur ici, il est venu avec d'autres preuves qui appuyaient mes propos. Malheureusement, c'est la justice congolaise. Une justice remplie de corrompus. Une justice qui a toujours été vers le côté de l'argent. Fali Poupa, oui, il est millionnaire. Il a de l'argent plus que M. Gauthier Seyi. Vous voyez ce qu'il a fait. Il a amené ce qui n'est pas amené à la justice. C'est ce qu'il a fait amener à la justice. Aujourd'hui, c'est comme si au Congo, un journaliste, un analyste, un influenceur n'a pas droit à faire des analyses. C'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Un monsieur comme Gauthier Seyi, qui a fait des analyses, il a donné des propos avec des appuis, avec des preuves. C'est la personne-là qu'on commence maintenant à humilier, qu'on commence à attaquer. Moi, je me pose des questions. Pourquoi Fali s'attaque à Gauthier Seyi pendant qu'il n'a même pas attaqué sa personne physique? Il n'a rien dit que de la musique. Pourquoi il est attaqué pendant que d'autres personnes sont là également, ils ne sont pas attaqués? Est-ce que c'est parce qu'il fallait que derrière les dires de M. Gauthier Seyi, il y a beaucoup de vérités que la population ne connaît pas? Est-ce que Fali a peur de toutes ces vérités-là, puisque lui, il a menti l'opinion publique? Ce sont des questions que tout le monde se pose maintenant. Puisque ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, et c'est encore impossible de traduire quelqu'un à justice, quelqu'un qui n'a insulté personne, qui a seulement dit que Falina il est moins performant, il n'est pas créatif, tout ce que M. Gauthier Seyi a relaté, ce sont les choses que tout le monde relate sur les réseaux sociaux. Pourquoi Fali s'acharne seulement à Gauthier Seyi et pas à d'autres personnes? C'est encore la même question que je suis encore de poser à l'opinion publique. Bino va tout pembeni à Fali. Bino va tout pour le bagabouza, ba vrai warrior. Ba pour na bino se Fali ou rien. Si kaoyo, même si Fali a za kokosa, il faut toujours Fali ou rien. Si vous êtes vraiment des intelligents, vous voulez vivre une vie d'intelligence, une vie d'être vrai. Si Fali est moins performant, il faut dire qu'il est moins performant. Ce qui vous a dit que vous êtes moins performant, c'est la performance. Vous devez amener votre artiste. Kola qui sait que Awa a bébé ici, Awa il faut abonger ça, Awa pour comment boire, il faut ça la boire, la boire, la boire. Mais pour vous, nous avons fallu faire ça là, et ça bon. Vous avez dit que, en tant qu'être humain, Fali Poupa, en tant qu'humain, aza capable ya ko sala ba erreur, attaque être humain aza capable ya ko commettre ba erreur artistique aza humain. So ba seria lobai ki ya sala 80% ya musique na ye. Si vraiment quelqu'un aza sala 80% ya makambone moko, c'est que azo koma na niveau oyo akomi ko sangisa, akomi ko mélanger tout, parce que 80% na album mobimba ya ba 20 chansons. Boyebi sanga monotonie ya ndenge wana. Résultat eza oyo, performance ya Fali eza muke mingi, parce que azo sala makambo nyonso ye moko, il n'est pas capable ya ko inviter nouvelle idée. Azana enfermé na makambo na ye kaka, aza ouverte na ba horizon mususu. Horizon oyo ekoki kobakisele makambo. Nga nazolo ba makambo parce que na makambo oyo Fali alobaki moko na réseaux sociaux, makambo batu baza kotala eza komisa Fali farceur. Soki mutu aza vraiment mutu ya vrai, oza na logique ya solo, olingi kokosa batu te, en tout cas Fali azokosa batu. Soki tozo tolingi toloba pena vérité, ça kokosa. Je vous assure, je suis encore serein, Fali aza kokosa batu.
makambo oyo falaza kosala na ndenge ya musique na makambo gotie se aza koloba eza opposé soit mutu moko aza kokosa mais na ndenge toyebi mifali na ndenge toyebi musique ya fali évolution na ye fali a 99.99% azokosa bato soki azalaki mutu akokosa bato te ndeto komi na situation ya ba ya ba ya banini ya tribunal te soki fali azalaki dans les vrais nde angaki ya kipepe mutu oyo te parce que ayebi ke aza na disque na ye pourquoi aza kobangela bato basalela basala investigation parce que ayebi ke moi eloko moko boye ya louche eza na makati ya makambo oyo Gilmas mutu na bino na lingai kana pesa po de vie nanga nebi ke nazalaki penda semaine au mobi semaine weekend en tout cas je suis occupé nazalaki kosala ba renovation anda kunanga na kolakisa bino tango kosila kolakisa bino nini salaki kina nazala moi musika na ba réseaux sociaux nazako travailler toujours et oza via poto toyaki pona koluka yango toza kobongisa kaka makambo na ndenge ya bien Gilmas mutu na bino ko partager bo la ke video bo commenter. Ensuite, bye.